À côté de la Giulietta légèrement restylée, Alfa Romeo présente enfin sa Giulia dans les versions plus calmes. C'est la rivale annoncée des Allemandes Audi A4, Mercedes Classe C et BMW Série 3. Jusqu'à maintenant, le constructeur milanais n'avait présenté que sa Quadrifoglio Verde, forte d'une motorisation V6 de 510 chevaux. Voici donc la Giulia standard, qui conserve une plastique très attrayante et un look relativement sportif. La familiale italienne sera donc proposée avec une motorisation 2 litres essence en 3 niveaux de puissance, 180 chevaux, 250 chevaux ou 330 chevaux, ainsi qu'avec un bloc diesel 2 litres 2, également en 3 niveaux de puissance, 135 chevaux, 180 chevaux ou 210 chevaux. La version Quadrifoglio et les versions diesel seront mises en production à partir du 31 mars 2016 et livrées aux concessions italiennes fin mai, début juin. Il faudra attendre quelques semaines supplémentaires pour le marché français. Concernant les versions essence, il faudra cette fois patienter jusqu'à la fin de l'année. Alfa Romeo n'a pas fini de vous faire attendre.